L'affaire Audin pose une question grave et difficile. Il y avait les pieds noirs, partisans de l'Algérie française. Il y avait aussi des Européens favorables à l'indépendance. C'était le cas de Maurice Audin, un jeune assistant de mathématiques à la faculté d'Alger. Il militait au sein du Parti communiste algérien, un parti clandestin après sa dissolution par le gouvernement. Établir la vérité est une obligation. Cet historique va reconnaître la responsabilité de l'État dans cette disparition. Va reconnaître là que la vérité, c'est que Maurice Audin faisait partie de tous ceux qui ont été victimes d'un système.